principe de l'impression 3D, il est relativement simple. C'est qu'on prend un fil de plastique que l'on va venir chauffer un petit peu plus de 200 degrés pour le transformer en un fin cheveu assez souple qui va être imprimé, qui va venir se déposer sur une plaque chauffée à 70 degrés qui va tenir en place cette première couche d'impression, ouais. Cette première on va dire, étape de la pièce. Et après, l'imprimante va monter étage par étage pour fabriquer l'objet au final, ce que l'on souhaite. Bien sûr, moi c'est une vieille installation. Ça m'énerve. Ah ouais ? Mais non, les vieilles prises au contraire. Alors les objets qu'on peut imprimer, c'est très simple, il n'y a pas de limite. On peut absolument imprimer ce que l'on veut, donc des pièces d'ordinateur, un bouton de machine à laver, une pièce de vélo, un support de phare, absolument ce qu'on veut. Et c'est ça qui est bien, et surtout quand on maîtrise le dessin 3D, on peut même améliorer la pièce et la rendre beaucoup plus solide que la pièce d'origine. Donc ça n'a que des avantages.